parle Geneviève de Passion Poupon Reborn. Aujourd'hui, j'ai fait un box opening. J'ai reçu un beau bébé qui vient de Géorgie. Ça vient de Real or Reborn. C'est de Suzanne Hill. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on a dans la boîte. J'ai bien hâte de voir. Ça fait déjà deux semaines que je l'attends. C'est vraiment un kit coup de cœur sur son site web. Donc, on a déjà ici une petite carte. Je ne sais pas si c'est le certificat de naissance. Ah non, c'est une petite carte, c'est écrit « Thank you ».« Thank you for supporting my heart. Enjoy your... » Je ne dirais pas le kit. Mais c'est ça, une petite carte. Donc, ici, on a les instructions. C'est écrit là qu'il est routé avec du mohair d'alpaga. Donc ça devrait être très bien. C'est très bien emballé, très bien protégé. Mon Dieu. Wow! Tout dans un emballage en organza. Avec... comme ça, avec sa carte d'affaires. Non, c'est juste écrit « It's a girl ». On a des petits cadeaux. Oh, une brosse à dents, ça doit être pour peigner ses beaux cheveux. Elle m'a envoyé en fille, mais moi, je vais le mettre en garçon, le bébé. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Wow, il y a beaucoup de choses. Oh my God! On a une petite suce aimantée. On a une couche genre vintage. Ça, je suis vraiment très contente. On a des petites mitaines. Ça, je crois que c'est une tuque de nouveau-né avec des petits bas. Oui, des petits bas roses puis une tuque de nouveau-né. On a un petit bracelet d'hôpital avec le certificat que j'espère que vous n'avez pas vu. Wow, il y a plein de choses, je ne sais pas quoi commencer. Ici, on a un beau toutou éléphant, qui est super cute. Il fait des guiling-guiling aussi. On a d'autres choses ou c'est juste le bébé qui fait quoi? Il reste des choses. Tout est très, très bien emballé. Ça, c'est pour les cheveux. Un petit push-push pour bien entretenir ses cheveux. On a un beau bandeau. Une petite barrière pour ses cheveux aussi. Wow! On a un autre beau bandeau qui est super beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense qu'il n'y a pas de vêtements. Bon, alors j'ai sorti l'emballage. Alors oui, finalement, il y a des vêtements ici. On va regarder c'est quoi. Wow! Alors ici, on a une petite camisole avec les petites culottes, puis le bandeau. Oh wow! Oh, c'est magnifique! C'est vraiment mignon! Ça là, c'est fait par Cat and Jack en grandeur newborn. C'est vraiment beau. On a un petit jeans. Oh, une petite doudou! Un petit doudou sur le flanelle. Donc, quand même été gâté. Donc, on va regarder le bébé. Oh, Seigneur, il est lourd! Je ne sais pas si vous voyez bien comme ça. Il est très, très lourd. Donc, il y en a qui vont tout de suite reconnaître c'est quelqu'un. Donc, regardez, il y a de la petite peau sèche comme germe. Regardez! Il y a de la peau sèche. La couleur de la peau était plus foncée, plus rougie. J'aime ça. Ses petits ongles sont beaux. Y a-tu des viennes? Il n'a pas l'air d'avoir de viennes. Il est super beau. Donc, vous avez sûrement reconnu les pieds du Lévi. On va regarder voir ses mains. Oh, regardez la petite peau sèche! Il doit en avoir l'autre côté aussi, oui!
Ses ongles sont super beaux. Il n'est pas taché, rien. Donc, oh my god, c'est doux, là! Ah, j'arrête. Ah, j'ai son petit peigne. Attendez, on va la peigner. On va enlever ça. Oh my god, c'est tellement doux. Je vais vous montrer la petite rosette. Elle est super bien faite. Regardez. On va enlever ça. Oh my god, elle est tellement lourde là. C'est incroyable. Je ne sais pas combien elle pèse, il n'y a pas de certificat de naissance avec. Donc moi, comme je l'ai dit, ça va devenir un garçon. Donc on peut voir ses lèvres là, sont bien faites. Le nez, il y a comme un petit bouton de lait ici. Le routing est super beau. Donc, la tête tourne super bien. Un beau bébé! Ça va être un garçon qui va s'appeler Léandre. Voilà! Merci d'avoir regardé!